Et il y a plus de avec une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve une vidéo très particulière car je vais faire une nouvelle série, les gars, sur la chaîne. Je crée un nouveau compte, voilà. Vraiment, j'ai tout en random. Hein. Voilà. Et j'aimerais bien, les gars, que vous me pétiez la barre des pouces bleus et des abonnements, ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà. Donc d'ailleurs les gars, je ne sais pas quel deck jouer sur ce compte. J'aimerais bien genre maxer juste un deck. Et dites-moi dans les commentaires les gars, celui que vous voulez que je maxe et que je joue avec. Enfin que j'essaie de maxer les cartes en tout cas. Donc pour l'instant pour cet épisode, je vais améliorer aucune carte. Je vais garder mes pièces. Et puis voilà. Donc d'ailleurs on va commencer par un type accompagné tranquillement. Voilà. Bon, on a évoqué un prince, c'est cool. Ok, rien. Ouh, fait le 2500 pièces. C'est gratuit, ça fait plaisir. Bon voilà, ça va être notre deck les gars pour le début. Alors, j'ai deux choses à dire. Il est pas incroyable déjà, c'est normal, on est au début du jeu. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et d'ailleurs les gars, je vais sûrement créer un clan pour ceux qui veulent venir, voilà. Voilà. On va pas dire que c'est notre première game, voilà. Ok, donc là on tombe sur un monsieur asiatique qui n'a pas de clan, qui est niveau 2. On va partir tout simplement en géant front de map. Parce que de toute façon les gars sont pas incroyables. Hein. Je vais juste mettre un prince pour défense. Il a une armée squelette, on a juste flèche. Je pense que les flèches vont être là bien. J'espère que ça va taper le géant. Ça va pas taper le géant, c'est pas incroyable. Bon, c'est pas grave. On aura un double push au moins, ça c'est cool. Hop, nous on va mettre des petites gargouilles pour aller soutenir le géant. Il va défendre avec des gargouilles. Ok. Donc notre jeu prince qui fait mal à la tour, c'est plaisir. On va prendre la tour de droite sûrement s'il met pas des flèches ou une boule de feu ou un sort. Ok, mais des archers, on va juste boule d'œuf tout ça. Ouais, la boule d'œuf j'ai oublié qu'il fait même pas 100 dégâts, ça pue la merde une boule d'œuf niveau 3. Bon en même temps c'est normal hein mais. Excusez-moi les gars, j'ai écrit un message en même temps. Hop. Ok, donc là il repart en géant en mode bas les couilles, donc on va partir en prince. Ok, il faut une petite mousquetaire, d'accord. Oh nickel. Là, je vais flèche. Je pense que c'est la meilleure option. Et là ça aura un contre-push. Ça va être cool. Nickel, parfait, il force. On va mettre une mousquetaire ici, comme ça que oui, mais des gargouilles. Enfin, le prince aussi, c'est défense de chevalier, c'est incroyable. Hein. Voilà, nickel, on a bien pris shoot, ça c'est cool. On prend la tour, on met un chevalier au pont, voilà. Bon là après c'est le début du jeu les gars, donc les gars ils sont pas incroyables. Mais bon, j'ai quand même l'effort de monter avec vous pour voir un petit peu l'évolution, etc. Donc voilà. Et moi si vous plaît, ça vous plaît ce genre de concept. Et puis voilà, tout simplement. D'ailleurs si vous voulez le lien d'ami de ce compte les gars, allez directement sur mon Instagram qui sera en description les gars. Et même qui est écrit à gauche mon Insta. Et puis voilà, tout simplement. Et on repart. Je pense à faire 4 games par vidéo. Je pense que c'est un peu rire bon. Ok, on tombe sur Na de niveau 2 qui n'a pas de clan, qui a 29 trophées. Bon, là c'est le début du jeu les gars, on peut spam au fond. Ne faites jamais ce que je fais. Ouais, il ne faites jamais ce qu'il fait non plus en fait. Ah bon, le prince c'est trop lourd ça. Le prince c'est trop lourd parce que c'est la seule carte je pense que j'ai galéré à def. Enfin, je pense que j'ai même pas la def, je vais partir en prince sur le map. Ok, il s'est fait avec des gargouilles, moi ça me va. Hein. Ah, même si je risque de faire ma... Ouais en fait. Mais une gargouille c'est que d'aller de dégâts. Ok, on va prendre sa tour, ça c'est cool. On va forcer des gargouilles, on va flèche la tour du roi. Voilà, nickel. Ça les gargouilles vont être le chevalier tranquillement. Ah, là je vous avoue, je m'amuse bien. Il a boule de feu, il a raté sa boule de feu, c'est cool. Ouais. Oh. Ok. D'accord. Très bien. Très très bien. Très 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 bien. Ok, on peut ranger en fond de map tranquillement. On va laisser lui notre point d'un tour. Parce qu'on s'en fout un peu. Là, le but c'est juste de faire un gros push et détruire de la tour du roi. Passer le moins de temps possible.
Ok, bon. Alors là, il a 0 d'élixir. Hein. D'accord. Là, il a 0 d'élixir. Et là, on va juste mettre un prince. Ça va être la win. Même s'il met un prince, mon prince qui va éclater son prince normalement. On va même mettre des gargouilles, tu vois. Et il a pour une fois bien plus sa boule de feu. Ah, il met des flèches en plus. Mais dans tous les cas, on va quand même prendre la tour du roi. Et voilà, les gars, on passe cette deuxième win. Facile. Ok. Bon, on a une petite récompense. J'aurais peut-être pas dû. Bon, on va prendre les gobelins. On a une petite récompense que j'ouvrirai. Bon, je l'ouvre maintenant. Ok, bon, rien d'incroyable. Tac, les gobelins. Pas envie de les utiliser, montre un petit peu ce qu'on peut faire. Vas-y, allez, go. Ok, un maximum de 15. Ouais, je suis sur JJJJJ avec 5J, je crois. Ok, alors, je sais pas trop ce qu'il nous fait, le monsieur là. Ouais, je pense. Est-ce que je défends en vrai? Allez. Trop stylé, je veux trop faire ça. Je trouve ça trop cool. Ok, des petites flèches pour les transiter mes squelettes. On a évidemment raté parce qu'on car on est des boulets. Et le gars a l'air de savoir jouer. Enfin. Ouais, en fait, il sait jouer, je pense. Ouais, il sait très clairement jouer. Hein. Alors, juste parce qu'il a foutu que sa boule de feu, mais. On met des boules de feu en mode balèque. Hein. Donc là, faut oublier qu'il y a une armée de squelettes. Donc, on va essayer. Ok, on va juste boule d'œuf ici. Pour notre prince reste en vie. On va essayer de faire des gargouilles. Ok, il met des gargouilles. Ok. Là, on va prendre la tour. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est jeu pour un débutant. Et ça, c'est cool. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on veut voir, les gars. Ok, bon, en fait, il sait pas jouer. Hein. Enfin, il sait, en fait, il sait défendre, mais il sait pas attaquer. Donc, c'est cool. Ok, il met un jeu de l'autre côté, c'est pas grave. Ah non, il est venu du même côté, d'accord, bah, tant mieux. Nous sommes les avances, on nous fait de la value. On va défendre un jeu, on peut pouvoir faire un counter push. Et là, ensuite, on pourra directement mettre. Oh, mais il fait des dégâts. R2, c'est pas ça que je vais faire. Attends. Ça, dans tous les cas, on va flèche. Je vais faire esprit, hein. Je vais pas mettre de prince, je vais skip. Mets un géant là, bon là il est sauvé le prince, ouais, du coup on va trouver ses mousquetaires, nickel. C'est bon dégâts mec, les mousquetaires. Ah c'est choquant. Voilà, je sais très bien qu'il va me rusher une armée de squelettes. Nous on va défendre, c'est carré. Peut-être pré-shoot. Ok, bon, voilà, on a à moitié pré-shoot. Ok, bon, les gars, un maximum de spamming, un maximum de spamming. Et là, on va prendre le tronc pour moi, ça fait extrêmement plaisir. Ok, bon. D'ailleurs, les gars, je sais pas si je dis, choisissez mon pseudo, les gars. Pour tous les vrais, choisissez mon pseudo, les gars, en commentaire. Voilà, pour que déjà je puisse le changer. Attends, je vais voir quand je peux changer. Ouais, faut être niveau 4, ok. Et les gars, on va partir sur cette dernière game de la vidéo. Dernière game. Ok, bon. On tombe sur encore un asiatique qui n'a pas de clan, qui est niveau 3. Et qui pose des géants random comme ça. Il met un point, c'est ce que ça nous arrange? Pas du tout. Wesh, il spam là, après, tranquille le spam. J'ai raté mes flèches, malheureusement perdre la tour sur ça. Dommage. Mais bad, c'est pas grave, c'est pas grave. Wesh mec, le forcing, tranquille. Bon, on va faire comme une merde, c'est pour ça que je vous fais mon tour. Je vais me prendre sur le cochon, c'était carré.
Bon, alors toi, mec, alors, je vais pas te louper sur toi. Hop là, on va prendre la tour. Le monsieur qui est assez fort comme un porc. Ah bah oui, un frérot, hein, c'est pas bien de forcer. Hein. Mais qu'il est assez fort comme un porc, moi. Oui. Mec, j'ai l'impression d'être à mon niveau de trophée. Genre, comment, mais juste, j'ai la même façon. Aussi intelligent. Au niveau spam, on est à peu près la même chose. Hein. Et là, on va prendre. Est-ce qu'on prend encore la flèche, ça y est. Ok les gars, on prend ton cours de cette dernière game les gars. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était facile. La facilité avant tout. Et on va récupérer le coffre parce que le coffre on s'en fout. Et on a rien de incroyable. On a eu cochon nouveau, ça c'est cool. Une carte de plus. On va regarder le petit palier tranquillement. Avant de se quitter évidemment. Ok bon. Ah Mipeka, ça c'est cool. Mais mes Mipeka, je suis content de l'avoir, je vais le donner dans le deck là parce que ça c'est très bien. Si les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et ciao.